Gruda face à Scherf pour lancer cette partie. Et c'est lancé avec Marine Fotoux qui pour l'instant prend la main. Avec le premier ballon pour Chéri à négocier. Le tir très difficile et ça tombe dedans. Un petit miracle pour démarrer pour l'Asvel. Interception avec Sissoko qui va aller vers le cercle. Kadiatou, Sissoko. Ouais, la perte de balle justement et Sissoko en profite. Elle est partout même si elle repère cette balle. Et ouais. Julie Allemand qui va pouvoir finir les premiers points de Julie Allemand depuis son retour de blessure. Brochant, la fixation à l'intérieur, elle est retrouvée. Brochant qui finit fort au-dessus de la meneuse belge. Qui était passé à Toulouse, hein, n'est-ce pas? Exactement. Elle voilà. Finit la saison à Toulouse pendant que il y a vraiment une chose percutante depuis le début de la partie. C'est Sissoko. Les retrouvailles ici à Charleville. Sissoko. Surtout un avantage physique près du cercle hein, pour trouver 14 secondes. Ouais, et qui permet à Siak de se lever. Tiens donc, un très long 2 points. Romuald Diarno qui dit prenez votre Ouf. Temps. Ouais, bah là, elle a pas pris son temps. Hein. Bulgak, elle y est allée tout droit sur Marine Fotoux pour écraser violemment ce ballon. Allemand, 4 secondes. Encore une possession qui va se jouer au buzzer. Julie Allemand, elle est de retour. Avec la combo garde, Shea Coley. L'accélération de Shea Coley, le drive. Difficile. Elle se fait plaisir au buzzer. Et ça, ça va faire du bien à la fois à l'équipe et aux supporters qui commençaient à se poser des questions. 12-21 pour passer sous les 10. On tire pour Charleville-Mézières. Et si ça se débloquait à ce niveau-là, Davis en bas, ça fait plusieurs fois qu'elles sont prises. Voilà, le jeu en transition, les Lyonnaises, la transition, Sissoko, elle adore ça. L'interception, ça devrait aller au bout, cette affaire, tranquillement. Faut mettre du rythme, faut mettre du rythme. Mais le rythme, il est là, avec Colin Franchelin, la petite buste, le décalage, l'exceptionnel passe dans le dos. Franchelin, le petit saut de puce pour finir vers sa coéquipière. Encore une opportunité, cette fois ça sera la bonne pour les Flammes Carolo en tête pour la première fois de cette partie à 3 minutes de la mi-temps. C'est un peu le mismatch favorable près du cercle de Miem. Ouais, d'autant que ça s'enflamme. Ça s'enflamme à la guinguette partie. Ça repart vite. La course et elle finit, Jasmine Walker. Incontournable. Attention parce que la maison, la maison de Boudera, elle est dans les Ardennes. C'est la mère de la ville qui s'exprime. Il y aura un dernier tir visiblement d'Amel Boudera qui va se décaler sur le 3 points. Elle a besoin de se nourrir, Amel Boudera. Et c'est reparti donc pour l'Asvel qui est passé à côté de son deuxième carton et qui espère bien au retour des vestiaires reprendre un petit peu de sans frais. Il peut, sur sa main gauche, elle trouve Gruda. Voilà, elle a feinté et ça elle adore enchaîner comme ça. Elles sont ensemble, Muyokolo qui préfère l'extra passe pour Julie Allemand. Voilà. Tiens donc, ça ne suffit pas, il y a Franchelin qui a repris la balle. La passe dans le dos, la nouvelle passe dans le dos, la magicienne. Ça fait 2 fois qu'elle trouve des petites passes comme ça. Le développement de l'action est bon, on arrive à trouver la coupe plein milieu. Fotoux, ça c'est ses tirs, ça c'est les tirs drop de Fotoux. Shea Coley qui va pouvoir s'introduire dans la défense. Voilà. Excellent timing de passe. Le bon décalage vers Miem. Elle a choisi de nourrir la grande. Relation intérieure-intérieure. Que Colin Franchelin, elle se contenterait bien d'un 0 pointé s'il y a victoire au Brochant. Elle aligne ça comme des perles en ce moment, Noémie Brochant. Chéri, Chéri de loin pour lui répondre. Dedans. La relation avec Chéri. 14-11 dans ce carton. Miem. Prise à 2, bonne défense, Chéri qui va devoir prendre un tir difficile, c'est tant mieux. Siak avec le main à main pour sa meneuse de jeu. Puis c'est dans les moments chauds hein, que les individualités oh là là, se révèlent. Peps offensif derrière. Walker qui s'est retourné, joli pour reprendre l'avantage. Ce qu'on appelle un fadeaway sur la truffe de Gruda. Et ça égalise Miem ouais. Pour Julie Allemand. Scherf avec l'aide de la planche. Aujourd'hui, elle a pris ce tir avec beaucoup de confiance, en rythme, sans se poser de questions et c'est important. Ouais, juste parce qu'elle est sur 6 avant, ouais. Ouais, exactement. Oh oh. Boudera, oh oh. Si elle le met. Si elle le met Délancée. Allemand, elle est attrapée par la patrouille. Sissoko. Et pourtant, Marine Fotoux avait fait le sprint de sa vie. Boudera qui vient de scorer derrière la ligne à 3 points. Sissoko, synonyme de première place au classement.
Et elle finit, elle est tranchante. Quand on pense à Chéri ou à Miem, ou quand on pense à Julie Allemand, dedans, bang, bang, bien bang. Sûr Julie Allemand irrésistible. Boudera qui doit chercher à se rattraper après sa perte de balle. C'est un tir à 3. Bien sûr que... Vers l'avant. Andy Miem, elle est en confiance. Julie Allemand, elle est en confiance. Oh, elle est stratosphérique. Elle signe son retour de la plus belle des façons. Mais c'est pas fini pour les Flammes. Si les Flammes marquent maintenant, Boudera. Temps mort demandé. Le temps presse quand même. Marine Fotoux qui cherche à se rapprocher du cercle. Elle jette ce ballon en l'air. Et ça va finir sur le cercle. Charleville-Mézières va le faire. Charleville-Mézières va battre l'ASVEL. Ouais, ils vont rejoindre Villeneuve-d'Ascq. Elles vont rejoindre Villeneuve-d'Ascq. Elles vont rester surtout invaincues. Décidément, Charleville-Mézières est intenable à la maison. Après des succès relativement faciles contre Charnay et Saint-Amand, elles vont tomber ici, dans leur quinquette Arena, les championnes de France 2023.